Bonjour, je m'appelle Anne-Marie et je suis membre de la Force de réserve. Ensemble, nous allons effectuer une série d'exercices tirés du programme d'entraînement des Forces armées canadiennes. On peut d'abord s'échauffer en roulant les épaules pendant 10 à 20 secondes. Bougez les bras. On bouge les jambes, on ramène les genoux vers le tronc pour faire circuler le sang. Ensuite, quand on se sent prêt, on commence avec le premier exercice qui est le saut avec écart ou jumping jack. On écarte un peu les pieds, les bras à nos côtés et puis d'un mouvement rapide, nous allons rapporter les bras au-dessus de la tête en sautant. Comme ceci. On essaie d'aller à un rythme plus rapide. Attention, ne pas bloquer les coudes et les genoux. Si c'est trop facile, intercalez un squat entre les mouvements, comme ceci. Et augmentez la rapidité si désiré. Passons au squat. Alors, nous écartons les pieds à la largeur des hanches. On allonge les bras à nos côtés. Et puis, on s'accroupit comme si on s'asseyait sur le bout d'une chaise. On remonte. Attention, on doit bien fléchir les genoux et s'assurer que les genoux s'alignent avec le bout des orteils. Si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez lever la jambe après avoir fait un squat. Bien important d'utiliser les bras pour se tenir en équilibre. Maintenant, pensons aux fentes avant et arrière. On place les pieds à la largeur des hanches et les mains sur les hanches. Nous effectuons un grand pas vers l'avant en pliant 90 degrés le genou. Puis on revient. On va à l'arrière. On fait la même chose. Ensuite, on passe du côté gauche. Attention! Il est important de bien aligner le genou avec le bout des pieds, comme ceci, et de maintenir la jambe à 90 degrés. Si c'est trop facile, gardez la position pendant 10 secondes. Passons maintenant à la flexion du tronc avec trois mouvements des bras. On écarte les jambes, on penche le tronc, et puis on allonge les bras à la largeur des épaules. On maintient cette position pour 6 secondes. Ensuite, on passe à la deuxième position pour 6 secondes. Ensuite, on pose les bras à la verticale pour une durée de 6 secondes. Attention, il est important de maintenir la colonne vertébrale et le cou alignés ensemble. Maintenant, la rotation des hanches. On se remet en position initiale. Les mains sur les hanches et puis on soulève le genou vers le côté, on le ramène vers l'avant en faisant un cercle. La même chose du côté gauche. De côté, on ramène le genou de l'avant en faisant un cercle. Surtout attention, maintenez le dos bien droit et le menton relevé. Bon, maintenant on s'active encore plus avec le mouvement des pieds rapides. On s'imagine une ligne au sol. On va faire un mouvement du pied droit vers l'avant et on ramène le pied gauche. On retourne le pied droit vers l'arrière et le pied gauche va suivre. Et ainsi de suite. On doit aller le plus rapidement possible. On peut inclure le mouvement des bras pour aller plus vite. Un petit défi maintenant. On passe à la planche et au V inversé. On s'allonge au sol. Et puis, on maintient la position entre 2 et 5 secondes. Et puis, voici le V inversé. Si c'est trop difficile, on se met sur les genoux. Et puis, on fait le V inversé. On fait le push-up. Attention, on n'oublie pas de contracter les abdominaux et les fessiers pour protéger le bas du dos.
On termine maintenant avec la planche latérale. Alors, on s'installe sur le côté. On s'allonge sur l'avant-bras. Jambes allongées et pieds collés ensemble. En ayant la main sur la hanche, on se soulève pendant 20 secondes. Si c'est trop difficile, on plie les jambes et puis on se soulève avec les genoux. Attention, il faut maintenir le corps en une belle ligne droite. Et on répète de l'autre côté. Quand on enchaîne tous les exercices, il est important de prendre une petite pause de 30 secondes entre chaque. L'idéal est de faire cet exercice 2 à 3 fois par semaine. Bon entraînement!